Bonjour tout le monde. On continue donc notre série sur la communication avec une base de données depuis Unity. Donc en fait, on fait du langage web. On appelle du langage web depuis Unity. On l'avait vu la dernière fois au premier tuto. Donc là, on attaque le deuxième. On y va progressivement étape par étape. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on récupère tout de suite toutes les données ni surtout à ce qu'on envoie des données depuis Unity. On va continuer la dernière fois, donc si vous vous rappelez, ou allez retournez-y si vous vous rappelez pas ou si vous l'avez pas vu ce tuto. On contacte juste un script PHP qui s'appelle index.php sur notre serveur local. Je vous rappelle qu'on a installé, enfin on a installé, je vous ai pas montré, mais allez voir sur internet si vous voulez installer votre propre serveur local, WAMP par exemple. Et donc, on contacte un fichier index.php sur ce serveur, et ce fichier, somme toute, il fait quelque chose de très simple. Il renvoie juste, il fait un écho d'une phrase. Voilà. Pour l'instant, c'est la seule chose que ce truc fait. Voilà. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de ça, en fait. L'objectif aujourd'hui, c'est au lieu de récupérer juste une phrase ou une donnée, peu importe ce que vous récupérez, en dur comme ça dans mon fichier, je vais aller contacter la base de données. Donc aujourd'hui, c'est de travailler sur une base de données, de la créer, de créer une table et ensuite d'aller faire des requêtes PHP MySQL. Donc on est là sur non pas du C Sharp et du Unity, mais complètement dans ce tuto, rapidement, parce que je ne vais pas trop détailler, rapidement comment créer et comment récupérer les données. Et ensuite, bah, on fera un écho et on verra dans notre comment ça s'appelle, dans notre Unity, hein, parce qu'on a toujours l'appel qui est bon, on a notre script qui récupère le www.text, et donc on affichera là, on n'aura rien à changer côté Unity, juste à changer côté. Justement, ce qu'on va faire côté, je vais y arriver, côté PHP. Alors, au niveau de PHP, une fois que vous avez installé votre serveur local, je répète, je n'explique pas, je ne fais pas un tuto exprès là-dessus. Si maintenant, encore une fois, vous êtes trop en galère, vous n'hésitez pas, on verra. Mais franchement, il y a beaucoup de choses qui existent sur le web concernant le serveur local. Vous ouvrez donc PHP MyAdmin qui permet justement de manager ces bases de données et ces tables associées, puisque on peut avoir plusieurs bases de données sur grâce à WAMP. Alors que quand vous louez un serveur distant, il y a en général on est entre 2 et 4 bases autorisées. Là, je vais créer une base exprès que je vais appeler Unity Tuto. Voilà. Et c'est tout. Je crée une base de données. Elle est faite, elle est créée. Vous la voyez, elle apparaît maintenant ici, Unity Tuto. Bon. Là, je vais créer une nouvelle table. Cette table-là, on va l'appeler Users, par exemple. Ce Users, il va avoir quatre champs. Vous avez vu qu'il y avait une présélection de quatre champs. Donc, qu'est-ce que c'est une table? On va stocker dans un endroit, entre guillemets, des champs, des valeurs. Et donc, voici ces quatre valeurs dont on a besoin. On va prendre un ID qui va être auto-incrémenté. Alors, si vous avez besoin de plus de données sur quoi, c'est quoi le MySQL, c'est quoi PHP, etc., je vous invite encore une fois à aller voir des tutos web. D'accord? Donc, ensuite, au niveau de l'ID, ici, on va avoir un pseudo. Ce pseudo. Ça sera un varchar, on peut aller jusqu'à 250 en taille. On va avoir quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On va avoir un premium. Est-ce qu'on va savoir si son compte est premium? Tiens, par exemple, on va mettre un int. Et puis, on va mettre un email. Voilà. Quelque chose de très simple. On met quatre champs. Voilà, sauvegarder. Vous allez voir la structure de la table dans un petit moment. Donc, on a bien notre base de données Unity Tuto. Elle contient pour l'instant une seule table qui s'appelle User. Cette table User, elle a une structure prédéfinie, enfin que je viens de créer, avec un ID qui s'auto-incrémente. Ça, c'est le numéro de la ligne en fait. Et je veux que ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc on commence à 1 de mémoire et ensuite on monte. Le pseudo de la personne, l'email et le premium. Donc j'ai créé en fait une table qui correspond à mes users de mon jeu. D'accord? Je voudrais savoir si cette personne qui a ce pseudo, ce mail est bien premium. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. La table étant prête, je peux donc travailler maintenant avec PHP de manière en fait à récupérer en fait mes données. D'accord?
Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc je vais sortir ça, je vais aller là-dedans, là-dedans. Non, c'était pas là-dedans, pas là-dedans non plus. Hop. Alors, je vais récupérer parce que je vais pas tout réécrire. Yes. Voilà. Et là, on était en train de travailler avec notre index. Voilà. Donc là, je suis prêt. On va pouvoir bosser. On est parti. On a du PHP, c'est très simple. Alors, comme j'avais dit la semaine dernière, vous ouvrez et vous fermez le langage PHP, d'accord? Et nous, on veut communiquer avec la base de données. Alors, notre base de données, moi, je suis en local, hein, donc notre base de données, on va l'appeler, on va mettre donc des variables bdd-info. Donc, il nous faut d'abord les infos puisqu'on veut connecter à la base de données. On va donc avoir DBName, c'est le nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est Unity Tuto. Donc attention à la casse si vous avez mis des majuscules. Voilà, c'est un string, donc on va mettre des guillemets simples ou des guillemets doubles, c'est vous qui voyez en PHP. Moi, je préfère travailler en simple. Ensuite, on va avoir besoin de savoir quel est le host. Le host ici, c'est localhost. Donc ça c'est facile. Si vous étiez avec un serveur online, les informations sont en fait sur votre plateforme online, que ce soit OVH ou que ce soit One&One. Ensuite, le username. Username. Pack, tac, tac. Le username, c'était root. Et puis il nous reste enfin le password. Donc on a simplement quelques informations, quatre informations spécifiques pour contacter une base de données. La base qui est portée, qui est en fait hébergée chez quel host. Ensuite, le username et le password. C'est très simple. Partant de là, on va donc devoir faire en fait une première connexion. Je vais copier-coller cette partie-là. On va donc créer un objet PDO. Cet objet PDO est en charge en fait de faire la connexion. Je vais stocker cet objet dans une variable BDD. Alors un try, pourquoi try? Parce qu'en général on veut capter une erreur. Donc qui dit try dit catch. Voilà, on n'a pas l'occasion d'en parler souvent comment ça s'appelle, dans Unity, parce qu'on en fait peu des try catch, enfin pour l'instant. Mais on pourrait bien entendu faire un try catch. En fait, s'il y a une erreur parce que par exemple on s'est trompé ou la base de données n'existe pas, etc., il va passer au bloc catch et on aura donc un affichage. Alors ça, c'est intéressant pour retourner quelque chose, arrêter le script ou quoi que ce soit, mais ça n'est pas intéressant pour nous, hein, je vous avoue, parce qu'on ne veut pas... Enfin, on pourrait, ceci dit, faire à ce moment-là un echo erreur, en fait. On pourrait très bien faire echo, la même chose, erreur. Donc ça peut être intéressant de le transmettre quand même. Et en faisant exactement ça, hop, hop, et non pas un die. Le die, ça tue le script, ça arrête le script en l'état. Je vais commenter ça aussi. Et donc, du coup, Unity recevrait un echo error get message. D'accord? Alors, si vous voulez, on peut le tester. J'ai fait exprès là, j'ai mis un mauvais password. Et on va essayer de se connecter à la base de données. Donc, si la connexion est bonne, pardon, je fais un echo connexion réussie. Donc, ça, c'est juste pour le debug, hein. Connexion réussie. Voilà. Et sinon, bah, je fais un echo error get message. Bon, alors je retourne dans mon Unity. Ouais. Je retourne dans mon Unity, je lance. Donc il va essayer de contacter la base de données via ce script PHP que j'ai indiqué. Ça prend un petit peu de temps, ça arrive. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, tac, 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 c'est où là? Ah ben il nous le met directement ici, BR font size table x debug parse machin, on a une erreur. Alors ce qui est très étonnant c'est que... Alors attendez. On va recommencer. En fait c'est parce qu'on a le die en même temps. Où est-ce que je l'ai ça? Texte, texte, voilà. Le message complet, il est là. Simplement que j'ai pas la place en fait. Le message complet, il est là. Et il nous dit quoi? Parse error et index unexpected. Bah, a priori, on a une erreur dans notre script PHP déjà dans un premier temps.
Donc je vais aller le vérifier tout de suite. Où est-ce qu'on aurait une erreur? On n'a pas d'erreur ici. On n'a pas d'erreur ici non plus. Ouais, ok, j'en vois pas. Alors, où est-ce que elle était où l'erreur là? Alors, il y a une petite erreur. On va aller chercher l'erreur en visuel directement. Donc ça, c'est un conseil. Quand vous avez un souci sur ce genre de choses, n'hésitez pas aussi à vérifier en direct live en appelant votre script PHP, test PHP, voilà, index.php, on a exactement l'erreur. Donc on a une erreur en line 17 que j'ai pas vue parce que j'ai les yeux crevés normalement, comme d'habitude. Et en 17, on a bien une erreur, echo erreur, get message. Ah bah oui, forcément, on a gardé une parenthèse. Donc déjà, ça allait pas bien. Ensuite, je vais voir ce qui se passe. Accès refusé pour l'utilisateur, route, machin, etc. Mot de passe, non. Donc on le voit, il y a une erreur au niveau du mot de passe, c'est fait exprès. Si je vais dans Unity maintenant, on a exactement l'accès refusé, machin, machin, machin. Voilà. Donc c'est pas le bon mot de passe. Alors, je vais pas vous passer mon mot de passe tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc ce qui se passe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est on tente bien une bonne connexion et ça, c'est propre. D'accord? Alors, j'en ai pas parlé, mais on crée l'objet PDO qui attient enfin, quelques paramètres. Il faut les écrire tels quels. Alors attention à votre écriture, hein. Il y a bien des deux points, des guillemets, des points pour concaténer, c'est-à-dire qu'en PHP, on concatène avec le point et pas avec le plus. Le host égale le host, donc je lui passe. Le dbname égale le dbname. À chaque fois, je concatène avec la variable. Je précise que je fais un char 7 UTF-8, important, et ensuite je passe d'autres paramètres. Donc attention, ça c'est un premier paramètre, vous voyez la virgule ici. Un deuxième paramètre, la virgule, et un troisième, et ensuite je passe d'autres paramètres. Histoire de le dire, ben, tout ce que tu vas récupérer, là, on travaille en UTF-8, important, l'encodage. D'accord? Voilà, je m'étends pas plus, allez voir l'objet PDO et son utilisation et toutes les options qu'on peut passer lors de sa construction. Nous, notre objectif maintenant, c'est de se connecter, de récupérer les champs de notre personne. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà dire, bah écoute, moi j'aimerais que tu ailles me récupérer le pseudo suivant. Le pseudo, il va s'appeler Alto, par exemple. Voilà. Pseudo Alto. Ça roule. Donc là, bien sûr, connexion à la BDD. Et maintenant, récup info depuis la table. Et la table, elle s'appelait users, hein, je crois. Voilà. Donc là, on est prêt. On a notre connexion, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, on va préparer du SQL. Voilà, donc attention, pourquoi est-ce que j'ai utilisé l'objet PDO? Parce que justement, il permet. Alors, déjà, parce que SQL devient obsolète. Et deuxième chose, c'est parce que PDO nous permet de faire des requêtes préparées. Les requêtes préparées, c'est quand. Donc, c'est pour sécuriser, en fait, éviter les injections. C'est-à-dire, souvent, on s'en sert sur les sites internet parce que on propose des champs. Donc des formulaires, simplement, la personne peut rentrer des choses. Et on voudrait éviter qu'il puisse faire n'importe quoi, d'où les requêtes préparées. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un select from users. Donc alors le select étoile, ça veut dire tu me prends tout ce qui est tous les champs qui est dans quelle table, la table user. Ou alors ça c'est pour filtrer parce que si alors, on va y aller petit à petit. Hein. J'essaye d'expliquer un petit peu des choses sans être trop explicite non plus parce que l'objectif, si je vous le dis, c'est pas de faire du SQL ni du PHP. Hein. Voilà, donc là on prépare la requête, le langage SQL. Donc allez voir aussi le langage SQL. On prépare. Ensuite, on prépare notre requête. Ensuite, on prépare réellement la requête PDO. Donc, BDD prépare en lui passant ça. Et ensuite, bah, s'il y a besoin de paramètres, on exécute en lui passant les paramètres. Et là, pour notre cas à nous, il n'y a pas de paramètres. Et donc, j'exécute la requête. Donc, la requête, c'est tu me prépares la requête. Ensuite, tu l'exécutes. Tu me prépares la requête. À chaque fois, il faut lui préciser quelle requête SQL. Là, on fait un select. Donc, il y a le select, il y a le delete, il y a l'update, d'en avoir un autre que j'oublie. Là, d'ailleurs, il y a l'insert, voilà. En gros, dans les quatre familles. Et là, un select, c'est une récupération. On veut récupérer tous les champs pour la table users. OK? Bon, et là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire un echo connexion réussie, et puis on va lui concaténer un var dump.
Vardum, c'est en fait c'est un espèce d'écho, sauf qu'on va avoir plus d'informations. Et je vais faire un vardum sur la requête en fait. Voilà. Donc là, a priori, on va pouvoir avoir les infos. Je vérifie que j'ai pas dit de bêtises au niveau de l'écriture. Vardum Rose. Ouais, en fait, ça serait même mieux de le faire comme ça. Je vais stocker. Donc je l'exécute, je stocke et je transforme tout en objet. Et je vais donc récupérer les rows, donc les lignes. Donc en fait, je l'exécute, ça me récupère tout dans Rec. Rec, je dis ok, tu me prends tout et tu me prends tout de manière à tout mettre en objet PHP bien sûr. Et ensuite, je fais un écho du vardum de toutes ces lignes-là. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est pas de faire un tuto PHP MySQL. Le problème, c'est que c'est un nouveau langage. Donc, allez vous renseigner. Là, pour l'instant, je fais une application typique, allez récupérer des infos. Si vous voulez plus de détails, allez voir plus loin dans la documentation. Donc, je me connecte. Alors, évidemment, j'ai toujours l'accès refusé. Ça, c'est normal. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais enlever, bien sûr, je vais me cacher. Je vais rentrer mon mot de passe. Ici, et là, ça passe, forcément. Alors, il passe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous retourne, donc on a notre connexion réussie, et tout le vardump est là, en fait. Il nous dit, il y a zéro résultat. Bizarre, donc empty, vide, hein, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Et donc, là, vous vous dites, bah, c'est bizarre, j'ai ma structure et tout. Oui, mais si vous regardez affiché ici dans PHP MyAdmin, vous avez effectivement rien. Logiquement, dans votre procédure, l'utilisateur s'inscrit sur votre jeu, ça s'est donc rentré automatiquement par votre script. Mais là, pour le coup, pour aujourd'hui, on n'a rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer. Je mets rien dans ID parce que c'est auto-incrémenté. Je vais donc insérer, je vais taper alto, je mets bidon@gmail.com. Premium, je mets 0, je ne suis pas premium, et j'exécute. Il me dit que tout s'est bien passé, je vérifie en affichage. Et là, j'ai bien maintenant une inscription, ID 1, ça a été automatique, le premier inscrit, le nom, l'email, et est-ce qu'il est premium? Donc 0, a priori non. Ce qui est bien maintenant, c'est comme j'ai un enregistrement, si je relance mon script, j'obtiens donc size 1, une personne est présente dans cette table, utilisatrice, et j'obtiens son objet en objet PHP avec toutes les infos, puisque dans mon script, j'avais demandé toutes les infos. D'accord? Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est d'insérer un deuxième. Julax. Lui, on va mettre Julax spam.hehe. Hop, @spam.hehe. Il est premium celui-ci. Évidemment, il est arrivé à craquer le système. Allez, on y va. Affichage, on a deux. Et maintenant, si je relance mon script. J'en ai deux. Bien size 2. À l'indice 0, comme tous les tableaux commencent à l'indice 0, j'ai mon premier. Et ensuite, j'ai mon deuxième. Quoi de plus simple? Le souci, c'est que là, pour l'instant, notre requête, elle est très très bien. Elle se passe bien. J'obtiens bien mes infos. Sauf que j'obtiens tout. Parce que j'ai fait un select from user. Donc, il me prend tous les users. Sauf que si vous voulez en fait récupérer les données d'un seul utilisateur. Et bien en fait, c'est là où il faut faire un where name. Il faut faire un filtre. Alors attention, c'est pas name, c'était pseudo. Donc ça sera where le champ pseudo. Attention, là, il faut que ça corresponde exactement à ce que vous avez en base de données. Et ensuite, ça, c'est pour la requête préparée. On va le rentrer tout de suite. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthode exécute peut prendre des paramètres au passage. On lui passe donc un tableau associatif en PHP, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des indices 0, 1, 2, 3, etc., on met quelque chose. Et là, je vais donc lui passer, je vais remplir pseudo. Alors ça correspond à ce qui va être automatiquement rempli. Ça, on prépare la requête. Ensuite, on l'exécute en lui passant les valeurs. Donc pour pseudo, bim, bim, tu me prends quoi? Tu me prends la variable qui est là-haut, donc la valeur alto. Qu'est-ce qu'il est en train de faire du coup? Il est en train de filtrer. Il va tout récupérer, tous les champs de la table user, seulement là où il y a pseudo qui vaut alto. Voilà ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé me récupérer juste ce mec-là, parce que c'est la seule ligne où j'ai le pseudo alto. OK? Donc, important.
Voilà pour le script. Je vais donc recacher, remettre mon... Voilà, mon mot de passe et je cherche à atteindre qu'un seul. Et là, il m'en trouve qu'un seul, effectivement. Voilà. Maintenant, on a presque terminé. Donc, l'idée maintenant, ça serait de faire le écho. Donc, de récupérer l'info qui m'intéresse. Pour l'instant, on fait un écho de tout. Mais moi, je voudrais juste, par exemple, disons, je voudrais juste, allez, savoir s'il est premium. D'accord? Donc, s'il est premium, au lieu de faire une connexion réussie, rappelez-vous, il faut faire un seul écho pour tout le script, sinon Unity ne comprendra pas ce qui se passe. Et donc là, au lieu de faire un écho de tout, je vais juste faire un écho de rose flèche. Et donc, c'est le champ premium. Alors, si vous voulez savoir comment je devine ça, simplement grâce à mon debug, hein. C'est un objet PHP. Du coup, tous les objets, c'est l'objet, flèche, quelle est la méthode ou quel est le champ. Là, le champ, c'est premium. Voilà. Donc, partant de là, pas de problème. On est bon. On va donc renvoyer à Unity, en fait, Echo Rose Premium. On va lui renvoyer s'il est premium, 0 ou 1, en fait. D'accord? Alors, encore une fois, je recache. Oups. Voilà. Je relance le script. Ah. Off non object. Ah, mais oui, je suis bête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on avait récupéré un objet. C'est un tableau d'objets. Donc, en fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est déjà de récupérer l'indice 0 et ensuite seulement que j'ai l'objet d'aller récupérer premium. Voilà, et là il me récupère bien juste ce qui m'intéresse, à savoir 0. Voilà. Au niveau du script maintenant. Au niveau du script PH, script pardon, C Sharp, on va récupérer, tac tac tac, message texte, bim bim bim. Et bah, en fait, on va plutôt faire autre chose. On va les dire, puisqu'on sait qu'on récupère en fait le premium là, du coup. Donc attention à savoir qu'est-ce que vous attendez depuis le serveur ou pas. Nous, on part sur est-ce que tu es premium? D'accord? Donc if www.text égale égale bah, 0, dans ce cas-là quoi? Bah, dans ce cas-là, il est premium. Ok? Donc dans ce cas-là, on va lui dire www.text, etc. Vous êtes premium. Voilà. Et alors non, ça c'est plutôt égal à 1, pardon. Et else, vous n'êtes pas premium, tout simplement. Hop, hop, vous n'êtes pas premium. Voilà. Hop. Je vous remonte juste rapidement parce que c'est vrai que je vais un peu vite. Tac, tac, tac. Donc on adapte en fonction du résultat 1 ou 0. Et 1 ou 0, pourquoi? Bah, simplement parce que vous l'avez vu tout à l'heure. Notre script nous renvoie qu'un seul chiffre, 0 ou 1, quoi, tout simplement. Donc là maintenant, si je vais dans Unity et que je teste, il recontacte bien sûr le même script, mais il adapte en fonction. D'accord? Vous n'êtes pas premium. Voilà. Donc ça fonctionne à merveille. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est s'amuser par exemple à passer lui modifié. On va le poster en premium, 1, exécuter. Donc ça se ferait soit par un achat, soit vous, en activant un compte ou en faisant autre chose. On vérifie que notre script PHP déconne pas. On a bien 1, parfait. Donc du coup, Unity lui devrait adapter et dire vous êtes bien premium. Vous êtes premium. Et voilà. Quoi de plus? Objectif réussi. J'ai fait le plus vite possible pour que ça prenne le moins de temps possible. Parce que c'est vrai que des tutos de 40 minutes, c'est insupportable, c'est trop long. Bref, vous avez une première base. PHP MySQL ici aujourd'hui. Je vais réenlever le code. Voilà, vous avez une première base que je vous laisse si vous voulez copier. Donc on a travaillé bien sûr. Alors ça, hop, on peut l'effacer pour le coup. Voilà, le die, on ne le pense pas et ça machin. Et donc voilà, vous avez une première base ici. Pensez bien, c'est ça qui permet, sera retourné sur Unity. C'est ça qui permet de l'affichage. Voilà, le www.text, c'est notre Echo Rose 0 Premium. Voilà. Donc, évidemment, logiquement, le script n'est pas censé savoir qui il cherche. Donc, l'objectif, ça serait que maintenant, Unity indique
au script un paramètre, que ce script, avec ce paramètre qu'on lui passerait, donc ça serait pseudo, il fasse le travail, et du coup on aurait bouclé la boucle, on pourrait communiquer complètement en base de données. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on a juste fait, c'est communication PHP MySQL avec la base de données, mais Unity n'envoie rien du tout. Donc le prochain objectif, c'est ça, et on verra donc, logiquement, la semaine prochaine, la classe WWForm. Je vous dis à toutes et à tous à très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher sur les commentaires ou sur le site de mafabriquedejeux.fr. Bref, on vous attend, réagissez. Et s'il y a des soucis pour PHP-MySQL, allez faire un tour sur les docs web. À plus tard tout le monde. Salut, bonne journée. Ciao!